Coucou, c'est Patty. J'espère que vous allez bien. Donc, je relève le défi de Camille Scrap. Je vais essayer de faire du hard journal. Je vais vous présenter déjà les deux premières pages que j'ai fait. Donc, celle-ci. Voilà, j'ai fait de la patouille. J'ai découpé, colorisé des petits oiseaux. Ici, j'ai mis des ballons avec 12 parce que c'est l'anniversaire de ma petite fille Méline qui a 12 ans et qui est née le jour de Pâques. Là, j'ai découpé des petits cœurs où j'ai mis son prénom. J'ai fait des tamponnages. J'ai mis avril 2009 parce que c'est son année. J'ai fait des pochoirs, des petits ronds, des petits cœurs. Voilà. Et à côté, j'ai fait de la patouille. Là, c'est ma petite fille Télia qui avait fait de la patouille sur du papier que j'ai découpé en forme d'œuf. J'ai mis un petit nœud. J'ai découpé des fleurs de chez Action. Là, j'ai fait du pochoir avec une fleur de chez Action. J'ai découpé une petite fille. J'ai mis un petit lapin que j'ai posé sur une fleur. Et là, j'ai mis Pâques 2021. Voilà. Donc là, je vais faire une autre page. Donc, j'ai protégé ma page avec du washi. J'ai mis une feuille plastifiée. Je vais essayer de me mettre là. J'ai la fenêtre avec le soleil, hein. Voilà. Donc, j'ai préparé et des coupes. J'ai préparé mon étiquette. Des encres, de la peinture, des tampons. Voilà. Donc, je voulais faire comme j'ai eu le die de chez Action avec les ronds là. Je voulais faire un peu comme la galaxie, comme je voulais faire un côté ciel là et un côté jour de ce côté-là. Donc, je vais commencer par mettre de la peinture. Donc, je pars sur le bleu ciel. Alors, c'est de la peinture Action, mais celle-ci, elle est très liquide. Voilà. Hop. Voilà, je laisse les petites traces, ça me plaît bien, des petites traces blanches comme ça. Je vais prendre un chiffon pour nettoyer mon rouleau. Voilà, par contre, il faut que je sèche, il faut, alors attendez. Faut que je sèche. Donc, couper le son parce que je sais pas mettre pause, alors ça va faire du bruit. Désolée, hein. Ne faites pas attention à mes doigts, j'ai fait du tamponnage hier et je ne sais pas faire de tamponnage sans m'en mettre plein les doigts. Donc là, c'est bon. À partir de là, je sais pas où je vais, hein, franchement. Donc j'ai colorisé mes découpes avec les encres de chez Action. Donc, je vais peut-être en mettre une ici, mais avant, je voudrais faire du tamponnage avant. Donc, je vais faire du tamponnage. Alors, j'avais acheté des tampons chez Action il y a tout au début, j'ai commencé.
Et le problème, c'est que ben, ils sont devenus tout ramollos. Ils sont cassés. Donc je les ai découpés. Puis je me suis dit, ça va faire des petits bouts de tampons pour mettre à droite, à gauche. Voilà. On va reboucher là, sinon j'en aurai plein les doigts. Donc je vais commencer à faire là. Voilà. On va refaire. Voilà. On va mettre. Je protège parce que là. On va mettre un là. Je vais prendre de la lingette. Voilà. J'avais dit que je ferais ça. Ça, c'est pareil, hein. Ce sont des tampons. Je sais pas ce qu'ils ont eu. Ils sont devenus tout ramollos. Ils se craquent. Pourtant, ils étaient bien protégés, mais bon. On va faire comme ça, ici, un coup là, hop. Ensuite, j'ai envie de mettre un petit peu de peinture un peu plus foncée. C'est vraiment de la patouillette. Alors, je vais coller ça. J'ai envie de garder le blanc là. On va coller ça. Je sais pas si chez vous il fait beau, mais nous on a eu un temps de printemps d'été hier jusqu'à 28 degrés sur la terrasse. Ça fait du bien. Je plains ceux qui sont confinés, qui sont en appartement, ceux-là. Hop, 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 hop. On en dit des hop hop hop. Je vais poser ça là. Mon chiffon qui est plein d'encre. Voilà. Ici, j'ai envie de mettre. Alors là, j'ai fait. C'est pareil, hein, j'ai mis du bleu. J'ai mis un peu de gris pour faire un peu la terre. La terre, je vais la mettre là. J'avais envie de partir dans du bleu. Vais la mettre ici. Ah, j'avais dit que je ferais du pochoir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petits ronds avec le pochoir. Je vais prendre la 17, non, c'est la black. Je vais prendre la 05 de chez Action. Je vais prendre un petit doigt. Ici. Là. Ici.
ici. Hop. Ça, ça va comme ça. Ça, je le rebouche. Ensuite, je vais coller. Ça ressemble pas à grand chose. On a une idée en tête et puis d'un seul coup, paf, on pense à autre chose. Hop. J'ai envie de faire avec la mousse. C'est laquelle? Un tampon de chez Action. Je vais prendre le bleu de chez Action. Et je vais prendre un papier. Alors, quand j'ai colorisé mes ronds, j'ai mis ça sur du papier de chez Action. Papier. Et j'ai pris du noir à tous les coups. Oh. Ils se ressemblent tous les deux. Un petit coup comme ça. Ça, après, je me resserre de ma feuille. Papier aquarellable, voilà. Tac, ça. Je vais le coller ici. Ça va faire vraiment galaxie. Hein. Celui-là, il va où? Il vient là. Voilà, je le mets à l'envers. Voilà. Là, ici, dans la découpe, ça me fait une forme de lune. Je vais la mettre ici. Voilà. Avec mon stylo, je vais lui faire une petite bouche qui sourit. Avec un œil. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je vais remettre ce rond là. Là. Allez, planète. Après. On met un là. Pardon.
comme ça. Je vais le coller là. Voilà. Ensuite, avec des frais quoi. Je vais faire du tamponnage. Je vais y mettre des petits points. Donc voilà pourquoi je me trompe. Ça ici là. Oups. Ici là. J'ai dit que j'allais mettre des étoiles, étoiles. Je vais les mettre en bleu. Une là, une ici. Là. Là, je vais remettre des petits points. Ici. Voilà. Ensuite, on va leur mettre des petits points. Fait plein de petits points, plein de petits points. Voilà. Par contre, je voulais lui mettre une image, mais je n'en ai pas. Je n'ai pas d'image qui corresponde. Voilà, voilà, on va faire le tour ici. Voilà, voilà.
Là, j'ai mis une étiquette, c'est juste pour vous, enfin pour vous, pour moi. Hein. Je l'ai ancré. Je vais la mettre ici. Je vais lui remettre une étoile. Voilà. Écoutez. Voilà ce que ça donne. Il faudrait que j'arrive à retrouver une image pour coller dessus. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Il va falloir que j'arrange ça autrement. Bon, enfin bon, pour ma troisième page, moi je suis satisfaite. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. J'avais commencé à en faire un déjà, que j'avais fabriqué moi-même. Je vous fais voir. J'avais fait avec des brochots. J'avais fait la couverture. Et là, j'ai mis de la pâte de structure des deux côtés. Et voilà. J'avais commencé avec des brochots, j'avais mis une petite souris avec un crayon. C'est comme ça faisait des feux d'artifice, comme ceux qui dessinaient. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc cette page-là, je vais pouvoir la terminer pour la remettre dedans. Voilà, voilà pour mon petit junk journal. Journal. Puis, je perds mes mots. Sinon, j'avais commencé à faire. J'en avais fait une carte comme ça aussi. J'ai fait une carte avec les ronds. Là. J'avais fait dans tout bleu. J'ai commencé à faire aussi la TG comme ça. J'aime bien. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je suis contente d'avoir passé un petit moment avec vous. Et puis, moi, j'ai relevé le défi de Camille Scrap. Bon, c'est pas terrible, mais bon, il faut que je retrouve une image pour remettre. Il manque un peu de choses. Enfin, j'ai fait avec du matériel action. Il n'y a que le sentiment, là, parce que j'ai pas de mots en tamponnage. Il n'y a que le sentiment. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.